Je ne sais pas ce que c'est qu'une date importante. Ce que je sais, c'est ce que la mémoire peut en faire. On ne rentre pas dans l'histoire comme ça, avec nos gros sabots. On y rentre justement au filtre de la mémoire de cet événement. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire, bon ben voilà, on va parler de 1492 comme si on en avait pour la, comme si on en entendait parler pour la première fois. Christophe Colomb, c'est un souvenir d'enfance. Et par rapport à ce souvenir d'enfance, l'histoire pèse peu. C'est pas parce qu'un historien va vous dire « ça s'est pas passé comme ça » que vous allez le croire, parce que c'est chargé d'enfance, parce que c'est chargé d'émotion, de passion. Il faut prendre tout ça en compte lorsqu'on dit 1492. Part of India, San Salvador, and I take possession of it in the name of the King and Queen of Spain. C'est cela, dans notre mémoire collective, la découverte de l'Amérique, un événement qui prend les couleurs de l'enfance. Mais l'année 1492, elle, a une épaisseur, une densité, une complexité qu'il nous faut à présent explorer. L'histoire que l'on a à raconter commence par un pied. Un pied posé sur une plage. Mais un pied bien particulier, puisqu'il appartient à un navigateur génois nommé Christophe Colomb. Ce pied foule une terre inconnue, même si le découvreur ne le sait pas encore. Inconnu de qui ? Des Européens, bien entendu, ce qui ne nous autorise pas à parler de découverte de l'Amérique, mais seulement de rencontre entre deux mondes qui s'ignoraient mutuellement. Alors, le 12 octobre 1492, est-ce que c'est ça l'événement de l'année ? Christophe Colomb qui pose le pied sur une plage ? Je crois pas. D'abord, il faut se souvenir que l'événement retentissant de cette année monde, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier, la prise de Grenade, où Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ce qu'on appelle les rois catholiques, mettent la main sur le dernier réduit musulman en péninsule ibérique, qui est évidemment une nouvelle extraordinaire pour le monde, comme va avoir aussi un impact retentissant leur décision du 31 mars d'expulser les Juifs. Et le 12 octobre, c'est au fond la troisième date de cet événement monde qu'est l'année 1492. Et c'est dans l'effet de souffle de ces deux dates précédentes que doit être compris le voyage de Christophe Colomb. Cette année-là, Jorge de Aguiar dessine cette carte qui représente le monde connu au XVe siècle. Connaissance frôleuse, en réalité, qui ne se montre précise qu'à l'abord du liseré côtier, à la manière des portulans dont se servaient les pilotes des navires. Seules quelques villes ibériques sont représentées. Lisbonne, Séville et Grenade, où tout se joue cette année-là. Mais la ville est flanquée d'une autre, plus petite, fondée par les rois catholiques pour l'assiéger. On construisit donc cette ville neuve comme un défi, face à Grenade, sur le modèle d'un camp militaire romain. Son nom, Santa Fe. Face à l'entrelac de ruelles de la ville arabe, la cité au cordeau qui l'assiège et l'ordonne. Raie des droites, rue coupante, c'est une autre vision de l'ordre du monde. C'est-à-dire aussi de la manière de gouverner les hommes. Or, c'est elle qui s'appliquera bientôt au Nouveau Monde. Le conquistador y imposera partout ce modèle d'une ville orthonormée, et en même temps que cette forme géométrique, le nom qu'il a consacré,
Santa Fe, la Sainte Foi, proclamation de gloire. Au Nouveau-Mexique, en Argentine, en Colombie, dont la capitale actuelle, Bogota, est fondée comme Santa Fe de Bogota, partout des Santa Fe. Mais parlons d'abord de l'Ancien Monde, celui d'avant l'Amérique. On le décrit depuis l'Antiquité comme un monde fini, formé de trois parties connectées entre elles et entourées de mer. Les mappes-mondes médiévales le représentent tel que marchand et voyageur le parcourent, mais tel aussi qu'il le rêve. C'est le cas de Marco Polo et de toute cette littérature des merveilles du monde que Christophe Colomb a lu avec passion. Then one day, a mapmaker named Christopher Columbus had an idea. Do you know what? I think the world isn't flat at all. I think it's round like a ball. Did you hear what he said? Did you hear what he said? He said that the world is round. Oh, he's crazy. Man. I think the world isn't flat at all. I think it's round like a ball. Cette image, en revanche, est bien le fruit de notre imagination contemporaine. Car, contrairement à une légende tenace, ce n'est pas Christophe Colomb qui a prouvé la sphéricité de la Terre à des savants médiévaux s'obstinant à la croire plate. J'ai toujours lu que le monde, terre et eau, étaient sphériques, écrit Christophe Colomb dans son journal de bord. Mais c'est pour ajouter ensuite, maintenant, j'ai découvert qu'il n'était pas rond, mais de la forme d'une poire. Ou bien comme une balle toute ronde, sur laquelle serait placé comme un téton de femme. Et ce téton serait la plus haute montagne et la plus proche du ciel. Étrange découvreur dont les observations l'éloignent du réel pour le rapprocher de son propre rêve. Plus sagement, le géographe Martin Beheim nomme Pomme le globe qu'il achève le 17 juin de cette même année 1492 à Nuremberg. C'est le premier conservé. On y voit notamment combien l'Atlantique paraît étroit entre l'Europe et l'Asie. Depuis le Cap-Vert et les Açores, d'une part, jusqu'à la masse de Cipango, d'autre part, Cipango, c'est ainsi que Marco Polo avait désigné l'archipel japonais, Martin Beheim a représenté un éparpillement de petites îles issues du légendaire médiéval. Voyez, c'est presque un guet. Une invitation au voyage. Ce qu'on va apprendre à l'école, c'est très simple. C'est que 1492, c'est la découverte de l'Amérique et en même temps, et du même geste, l'avènement de la modernité. Ça veut dire, au fond, qu'on passe, tout simplement, du Moyen-Âge au temps moderne et qu'on y passe à l'aide d'une geste héroïque, glorieuse, qui a à voir avec la rationalité occidentale. Mais alors, elle est à quel prix, cette modernité? C'est bien la question quand on prend l'épaisseur de l'année 1492 en compte, c'est-à-dire avec, en même temps, le 2 janvier, le 31 mars et le 12 octobre. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, la citadelle de l'Alhambra tombe enfin. Et avec elle, Grenade, le dernier verrou de l'Espagne musulmane. Ses vainqueurs sont Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Leur mariage, 20 ans plus tôt, a scellé l'union des deux couronnes ibériques. C'est un prince qui se rend, l'émir Abu Abd Allah al-Zoghbi, dit l'infortuné, dont l'Occident se souviendra sous le nom de Boabdil. Pleurera longtemps en terre d'islam la splendeur des Andalousies perdues. Il est un col qui domine Grenade et que l'on nomme aujourd'hui le soupir du mort. De là, Boabdil se serait retourné une dernière fois sur ce qu'il avait perdu. Ce qu'il avait perdu ? Un état d'abord.
puissant et prospère. Un État fondé sur l'hydraulique savante de sa culture irriguée. Un État qui se mirait dans la splendeur fragile des jeux d'eau de l'Alhambra. Le visitant en 1494, un voyageur allemand s'émerveille. Tout est si magnifique, si majestueux, si délicieusement travaillé que celui qui le contemple peut se croire au paradis. Le paradis désignant également le jardin dans la culture arabo-persane. Saisis par la beauté de la ville qu'ils venaient de conquérir, les rois catholiques souhaitèrent la conserver comme un trophée. Ainsi, la reconquête réalise-t-elle ce paradoxe de conserver, presque en la fossilisant, la seule ville palatiale de l'islam que l'on puisse admirer aujourd'hui dans son intégrité. Elle lègue à l'imaginaire européen le rêve oriental d'un temps qui s'était figé. Mais avant cela, les rois catholiques poursuivent avec ardeur leur quête de la sainte foi. C'est à Grenade qu'ils ont reçu la reddition de Boabdil. C'est encore à Grenade qu'ils ordonnent l'expulsion des juifs de leur royaume d'Aragon et de Castille. Ils leur donnent jusqu'au 2 août pour choisir la conversion ou l'exil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien sûr, avant 1492, il y a des expulsions, il y a des pogroms, il y a cette histoire longue, désespérante, en somme, de l'anti-judaïsme européen. C'est pas la première fois, d'accord. Mais en même temps, le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est vraiment un coup de hache dans cette histoire deux fois millénaire de la présence du judaïsme en Espagne, parce que eh bien, là, pour le coup, ils doivent partir. Ils partent quelques semaines, quelques mois après le décret du 31 mars. Ils fuient vers où ? Vers l'Italie, Ferrare, Rome, mais c'est souvent une terre de transit vers l'Empire ottoman, et commence ce grand exil qu'on appelle la diaspora séfarade. Dans la chapelle royale de Grenade, les mausolées des rois catholiques contemplent le retable qui met en image la prise de Grenade et la conversion des Juifs. Car cette guerre est aussi une guerre d'image. Il s'agit de montrer immédiatement au monde, comme en direct, qu'une nouvelle Espagne catholique est en train de naître. Si l'on ne prend pas la mesure de cette fièvre d'exaltation religieuse, on ne comprend pas pourquoi les rois catholiques se laissèrent finalement convaincre par le projet du navigateur génois Christophe Colomb. Pendant très longtemps, on s'est fait de Christophe Colomb l'idée d'un navigateur intrépide et calculateur, un héros de la raison. Et aujourd'hui, on a presque tendance à voir les choses à l'envers, à y voir un héros de la déraison, d'une déraison médiéval, il est lui-même enfiévré de mysticisme, il attend la fin des temps, il veut la précipiter même peut-être, il veut aller poursuivre la croisade par d'autres moyens. Donc il y a chez Christophe Colomb, bien sûr, il cherche à s'enrichir, évidemment il veut du pouvoir, pourquoi pas découvrir des terres, mais aussi de manière ardente cette volonté de poursuivre plus loin et par d'autres moyens l'effort chrétien d'évangélisation et de conquête. À partir d'avril, Christophe Colomb va négocier les conditions de son voyage. C'est ce qu'on appelle les capitulations de Santa Fe. Aujourd'hui, si je vous dis capitulation, ça veut dire reddition sans condition. Capituler, ça veut dire abandonner. C'est le contraire que ça veut dire, en fait. Puisque des capitulations, ça veut dire des chapitres. Et des chapitres de quoi ? D'une négociation, où on va régler les détails de ce voyage. Il faut le financer,
faut l'organiser, il faut prévoir par avance s'il y a des gains, comment on va se les distribuer. Tout cela, ça se discute, et ça se discute pied à pied. Dans les termes mêmes des capitulations de Santa Fe, il était prévu que Christophe Colomb relate au roi catholique et au roi catholique seul, à son retour, les conditions de son voyage. Donc on sait qu'à Barcelone, il a donné un document au roi catholique. Ce document a été perdu. On sait aussi que les rois catholiques ont donné en retour une copie de ce document à Christophe Colomb. Cette copie également a été perdue. Mais dans des conditions un peu particulières, on a la copie de cette copie. Et c'est ce qu'on appelle le journal de bord de Christophe Colomb. Mais évidemment, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Par exemple, parfois dans ce journal de bord supposé de Christophe Colomb, il parle à la première personne, et parfois il parle à la troisième personne. L'amiral dit que. C'est bien que quelqu'un l'a recopié. Donc en fait, le journal de Christophe Colomb, c'est pas tout à fait un journal de bord. Et les capitulations de Santa Fe, c'est pas non plus le document qu'on attend ou qu'on imagine. Donc tout est plus compliqué, au fond, dans le dossier documentaire de 1492. Enfin, faut pas désespérer, je dirais que c'est le lot commun, ordinaire, des historiens confrontés à un événement à partir de sa reconstitution mémorielle. En 1992, à l'occasion de l'exposition universelle de Séville et du 500e anniversaire du voyage de Colomb, on a reconstruit les trois caravelles ayant participé à l'expédition. L'histoire que l'on a à raconter est d'emblée, elle aussi, une reconstitution. Santa Maria, Pinta, Niña. Trois caravelles quittent le port andalou de Palos le 3 août. Elles font relâche aux Canaries. Puis commence la longue traversée de l'Atlantique. À la suite d'une invraisemblable série d'erreurs de calcul et d'une lecture opiniâtre de quelques livres, le navigateur génois avait donc réussi à se convaincre que le monde était moins grand qu'on ne le croyait. S'il avait bien calculé la distance, il n'y aurait jamais été. D'une certaine manière, c'est ce qu'il sauve. C'est ce qu'il sauve de l'angoisse, d'abord. Lorsqu'on lit le journal de bord de Christophe Colomb, on ne lit rien qui ne trahisse l'angoisse ou l'inquiétude de se livrer à l'inconnu ou à l'immensité. 10 jours après avoir quitté les Canaries et mis le cap plein ouest, des vols d'oiseaux ou des algues qui ressemblent à des herbes fluviales le persuadent qu'il est proche d'îles. Le 17 septembre, il voit un crabe. Le surlendemain, un albatros. La terre est proche, il en est persuadé. Les marins sont au bord de la mutinerie et veulent changer de cap. Until we find India. Onward, men. Le 12 octobre, enfin, il touche terre. C'est une toute petite île que Christophe Colomb nomme immédiatement San Salvador. Il vit un drame sacré. Enfiévré de mysticisme, il croyait revivre l'Exode, le voilà qui rejoue l'Apocalypse. Et accoste au paradis. On lit dans le journal de Colomb, ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés, même les femmes, et tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes, aucun n'avait plus de 30 ans. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps, et très avenants de visage. Ils ne portent pas d'armes et semblent en ignorer l'usage. Lorsque je leur montrai une épée, ils la prirent par la lame et se blessèrent. En fait, ce journal de bord de Christophe Colomb, on le connaît parce que Bartolomé de la Casas, bien plus tard, dans son Histoire des Indes, en a retranscrit de larges extraits. Mais lui-même, il avait une idée derrière la tête.
Bartolomé de Las Casas, c'est quelqu'un, c'est l'évêque du Chiapas, c'est quelqu'un qui proteste vigoureusement contre les massacres des conquistadors en Amérique. Donc, il a l'idée de, au fond, de décrire Christophe Colomb comme l'âge d'or de la conquête, son innocence perdue. Temps suspendu, où l'on veut encore croire à l'innocence de l'échange, à l'honnêteté du dénuement, à la possibilité d'une rencontre. C'est tout cela que donnent à voir ces images du XVIe siècle, alors que les massacres des conquistadors ont brisé depuis longtemps ce rêve d'un âge d'or. Le 21 octobre, il poursuit son voyage et met le cap vers une grande île. C'est Cuba. Enfin, disons que nous savons aujourd'hui que c'est Cuba. Mais Christophe Colomb n'est disposé à reconnaître que ce qu'il a lu dans le Livre des Merveilles de Marco Polo. Les Indiens lui disent « Chibao », d'où vient notre Cuba, et Colomb entend « Chipango », le nom que Marco Polo donnait au Japon, où il prétend que les maisons ont des toits en or. Ce qu'il fait miroiter à ses lecteurs, la promesse de l'or, de la conversion, de la croisade. Cette croisade qui se poursuivra, il en est persuadé, pour purifier l'Espagne et parachever la chrétienté. Est-ce que Colomb, à un moment donné, va comprendre qu'il n'est pas là où il pense être ? C'est pas évident, parce qu'en fait, à chaque fois que les indigènes lui disent quelque chose, eh bien, il reçoit, il entend ce mot comme si, au fond, il avait raison. Par exemple, à un moment, on lui dit « n'allez pas plus loin parce qu'il y a des canibas ». Mais attention, il mange des hommes. Et de fait, le mot « cannibale » vient de cet ethnonyme « canibas ». Mais non, Colomb entend « peuple du grand Khan », l'empereur de Chine, qu'il veut rencontrer. Et Marco Polo n'a jamais dit qu'ils étaient anthropophages. Donc, c'est que les indigènes se trompent. Colomb et ses compagnons rembarquent le 2 janvier 1493 pour arriver le 4 mars à Lisbonne avec la certitude d'avoir touché le bord du monde. Et pendant ce temps-là, dans le monde ? Au chapitre de l'actualité heureuse, la duchesse Anne est couronnée reine de France à l'abbaye de Saint-Denis le 8 février. 2 mois plus tôt, son mariage avec le roi Charles VIII rattachait au royaume le duché de Bretagne. À Florence meurt Laurent le Magnifique, le protecteur de Léonard de Vinci, qui dessine probablement en cette même année le fameux homme de Vitruve, faisant du corps humain la mesure de toute chose. Mais il est d'autres princes brillants dans le monde. Ce sont des princes sans portrait. Connaissez-vous Suni Alibert, maître de l'empire Songhai, qu'il a grandi depuis Gao, sa capitale, jusqu'à Djéné et Tombouctou, la grande et belle et docte Tombouctou. Il était l'un des plus puissants souverains de son temps, tout comme Damachéti, roi bâtisseur du royaume bouddhiste de Pégou, au sud de la Birmanie actuelle, et qui meurt également durant cette année 1492. À la fin de l'année, Martin Alonso Pinzón, qui fut le pilote indocile de Colomb, meurt d'une maladie inconnue. C'est probablement la syphilis, ce mal américain qui allait ravager l'Europe, tandis que les conquistadors apportaient avec eux la grippe et d'autres virus qui répandaient la mort parmi les Indiens. L'unification microbienne du monde avait commencé. L'année 1492, en tout cas c'est comme ça qu'on l'enseigne à l'école, c'est le pli entre Moyen-Âge et temps moderne. Ça veut dire qu'après Christophe Colomb, on entre dans une autre histoire. C'est pas seulement qu'on accède au nouveau monde, c'est que ce nouveau monde est aussi le lieu d'un temps nouveau. Mais c'est pas si évident, puisque Christophe Colomb, on l'a vu, il est enfiévré de mysticisme médiéval, puisqu'il a lu les livres du Moyen-Âge, et puisque, si on y réfléchit, l'histoire après lui
de la colonisation américaine et aussi celle d'un Moyen Âge fiévreux, féodal et conquérant. Ce qui prend pied en Amérique, c'est pas du tout une Europe moderne, humaniste, tolérante. C'est la foi obtuse et nue du Moyen Âge. Alors moi, c'est peut-être parce que je suis médiéviste, mais je trouve que tout est médiéval en 1492. Thank you.